présent, l'icône, on s'intéresse à Nampho Diaby, au prédicateur Nampho Ismaël Diaby. Il a vécu un quart d'heure difficile la semaine dernière dans la localité de Nord-Soba, à Sigri. Oui, et précisément, nous sommes à Kolonkala, dans Nord-Soba, du côté de Sigri, où des échauffourées ont éclaté entre le groupe fidèle à Nampho Diaby et un groupe, on dit, de Wahhabites. Les gens de la localité. Bien. Ces infos ont été prêtées. Pourquoi s'en prendre au pauvre Nampho Diaby? Voilà, selon des informations. Je pose la question, serait-il devenu persona non grata dans certaines localités du pays, comme l'a posé ce matin Tali Bebari? Oui, selon nos informations, Nampho Diaby, avant de venir à Kolonkala, avait déjà pris langue avec les autorités. Il a reçu ce qu'on appelle un laissez-passer entre griffes pour se rendre dans ces localités pour faire la promotion de la langue Nko, l'alphabet Nko. Donc, arrivé dans ces lieux, il y a un groupe de Wahhabites de la région qui a été très hostile pratiquement à sa présence. Ouais. Alors, nos confrères, par exemple, de Média Guinée ont pris langue avec le sous-préfet et qui a dit carrément « Nampho Ismaël Diaby est venu avec son clan pour me dire qu'il est en Nord-Soba dans le cadre de valoriser le Nko, mais qui n'est pas lié à l'islam. Ouais. J'ai dit que je ne veux pas la guerre. Donc, à mon étonnement, il y a eu des jets de cailloux, beaucoup de dégâts matériels ont été enregistré. Il a fallu qu'on protège Nampho, le faire sortir de Nord-Soba. Les gens l'ont pourchassé, a-t-il expliqué. Ouais. Alors plus loin, Nampho, sauf qu'il n'explique pas l'origine de ce qui s'est passé. Non, il n'a pas expliqué l'origine, mais il insiste sur le fait que Nampho n'était pas là dans le cadre de l'islam. Il était là pour la promotion de l'alphabet Nko. Ouais. Alors ce groupe qui est hostile au prédicateur de la langue Nko est venu l'attaquer. Et dans cette attaque, Nampho lui-même témoigne qu'il n'a rien perdu. Mais c'est lui qui l'a reçu, vraiment a pratiquement tout perdu parce que son domicile a été entre griffes saccagé avec beaucoup de pertes. Ouais. Et on se demande aujourd'hui si Nampho, de ce côté, est persona non grata ou pas, mais beaucoup estiment que ce qui est arrivé, c'est pas le fait d'un simple groupe, pas tout le village. Ouais. On suppose que. Oui, mais qu'est-ce qui doit se passer après? Qu'est-ce que les autorités locales devraient faire? Est-ce que c'est quand même un citoyen guinéen qui est libre d'aller où il veut? En tout cas, selon ce que dit le préfet, si on en croit le contenu de cet article, c'est que lui, il a été informé que Nampho venait à Kolonkala, c'est ça le nom du village, à Kolonkala, pour faire la promotion de la langue. Tout à fait. Je pense qu'il en a le droit et il peut se rendre partout où il veut pour faire la promotion de la. Il n'était pas là pour faire la promotion de la prière à Lanko. Non, pas du tout. Et ça a été à Bakar la position du sous-préfet. Et même si c'était le cas. Oui, même si c'était le cas, pour le moment, je pense que les gens sont libres dans ce pays. Il y a des athées, il y a des païens, ainsi de suite. Mais le sous-préfet a été clair. Nampho a été agressé, mais il estime que ces agresseurs n'ont pas raison puisqu'il n'est pas là dans le cadre, en tout cas, d'une anarchie. Il a pris langue avec les autorités, il en avait l'autorisation. Bien. Donc les gens n'avaient pas à s'en prendre pratiquement à lui. Mais quand une telle situation se passe, Nampho a été interpellé ici parce qu'il dirigeait les prières en cours. Mais si des personnes s'attaquent à un Guinéen qui se trouve sur un territoire guinéen, et que cela reste impuni, voilà, cela reste impuni de toute évidence là. Voilà, on devrait poursuivre ces messieurs aujourd'hui pour tous ces dégâts, pour en tout cas les dommages causés et pour l'attaque contre la personne Nampho qui est guinéen et qui est libre de partir partout en Guinée. Lonko, c'est une écriture autorisée. C'était tout simplement de la rébellion, Lincoln. C'était de la rébellion. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il faut interpeller ces messieurs pour ne pas que Nampho ou d'autres Guinéens qui. Et pour l'instant, si on vous suit très bien, il n'y a eu aucune interpellation. Non, pas d'interpellation jusqu'à présent. C'est que nous sommes en train de condamner. Dommage. Allez-y, Talibé, très rapidement. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de cette attaque contre le cortège de Nampho. Mais il y a un bout de phrase du sous-préfet. Je ne sais pas si c'est lui qui n'a pas été complet ou si le journaliste n'a pas restitué tous les propos du sous-préfet. Mais il dit Nampho Ismaël n'a rien fait. Il priait à Malinké, à Maninka, mais lui et ses hommes n'avaient pas commencé encore leur événement. Est-ce que ça veut dire Il était en train de prier en Maninka lorsqu'il a été attaqué. Lorsqu'il a été attaqué, c'est la question à se poser. Parce que. Un meeting, probablement. Est-ce qu'entre-temps, il y avait la prière de 14h ou celle de 17h et puis. Parce que lui, il continue de prier en Maninka. Voilà, bien entendu. Nampho s'est mis à prier au vieux au-dessus de tout le monde.
Est-ce que c'est en ce moment qu'on l'a attaqué? Mais en tout cas, ça se laisse penser que Nampho a accompli une de ses prières au moment où il séjournait. Donc, la question, Talibé, en avait-il le droit ou pas? A-t-il le droit de prier ou de faire prier en Maninka ou pas sur le territoire guinéen? C'est une question. Oui, la question. Reste-t-il tout. Parce qu'il avait été sanctionné, il avait été suspendu ou interdit de faire prier. Est-ce que la suspension, la mesure reste toujours de mise du côté de, au niveau de la Ligue islamique ou du secrétariat général aux affaires religieuses? C'est une question qu'il faut se poser. Oui, mais malgré cette interdiction, vous savez que Nampho, il a une mosquée dans sa concession. Oui, à Kankan. Il a toujours continué à faire prier, au moins dans cette mosquée-là, à Maninka. Donc c'est un débat qui revient. Ouais. Parce que vous avez tout vu dernièrement, il y a le reggaeman Tiken voilà, qui a exprimé son admiration. Ouais, justement. Et son rêve de rencontrer et de serrer la main à Nampho Ismaël. Et à Abakar, parce que, quoi qu'on en dise, il y a des gens qui pensent que Nampho ne fait rien de grave en priant dans sa propre langue. Donc, le débat est relancé. Le débat est relancé. Abakar, pour terminer. Oui. Une question. Oui. Et ceux qui ne prient pas, est-ce qu'on s'attaque à ceux qui ne prient pas? Le Coran est traduit en co. Et les gens doivent le savoir. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à poursuivre, pour chasser Nampho pour sa prière? Pourquoi ne pas s'attaquer à ceux qui ne prient pas? Moi, je pense qu'il faut, il faut qu'au niveau du secrétaire général, qu'on soit totalement, qu'on s'exprime clairement là-dessus, qu'il y ait une prise de position très claire sur le cas Nampho, soit l'autoriser à exercer donc, son activité, la promotion de la langue co, mais aussi le fait de faire prier dans sa langue, que cette autorisation lui soit accordée ou lui interdit totalement. Aboubakar, non, mais c'est les droits de l'homme voudraient que monsieur Nampho, c'est Diabaté ou Diaby prie dans la langue de son choix. De son choix, si on veut, si nous voulons sommes en islam là. Même en islam, on doit respecter les droits de l'homme. C'est vrai que les religions monothéistes sont très fermées aux réformes. Ouais. N'oubliez pas ça. Parce que la religion, c'est un dogme. Ce qui est dit dans le Coran ou la Bible, tu ne dois pas modifier. Ni raturer. Ouais. Donc il a fallu que. En définitive, qu'est-ce que. Il a fallu que des philosophes de la lumière éveillent les consciences pour que la science se développe. Ouais. Sinon, le monde n'allait pas connaître le boom. Aujourd'hui, vous avez votre smartphone. Si on suivait les traditionalistes qui voudraient que tout parte, tout commence par la Bible et le Coran et finisse dans. Par ces deux. Il y a la Torah aussi. La Torah, oui. Et juive. Ouais. Donc, M. Nampho aujourd'hui est un réformateur, mais il est considéré, je crois bien, par les gens, les musulmans, la plupart, comme un impie. Ouais. Parce que pour eux, la langue de prière, de prière. C'est l'arabe. C'est la langue arabe. C'est la langue arabe. Ouais. Donc, c'est le Coran. Parce que le Coran, il n'y a pas que de l'arabe dedans. Effectivement. Donc, vous voyez. Bien. Donc, je me dis que en définitive, Nampho est dans. Dans ses droits. Dans ses droits. Si on, n'oubliez donc, pas il ne méritait pas d'être attaqué. Pas du tout. N'oubliez pas que la plupart des chancelleries occidentales suivent bien le cas Nampho. Très bien. Absolument. Abakar, soit dit en passant, il y a eu des rapports produits par le secrétaire d'État américain bien sûr. Qui ils ont fait mention du cas Nampho comme étant le Millennium Challenge. Une violation le Millennium Challenge. Du droit de. Aux États-Unis, il y a plus d'un million de prophètes, soi-disant. Tu peux te lever un matin, tu dis que tu es un prophète. Les gens viennent. Le débat est relancé. Mais Abakar, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens quelque part en Guinée pour dénier justement à Nampho le droit de prier. Et de faire prier. Et de prétendre. Prier, de faire une prière musulmane en Maninka, même s'il nous a dit que sa religion s'appelait. Yoro Lombaya. Bien entendu. Voilà. Allez-y, Akumba. Aboubakar, est-ce que la Guinée est un pays laïque? C'est oui. Bien entendu. C'est une république laïque. Bien entendu. Donc, de ce point de vue-là, M. Nampho Diaby est libre. Ouais. Est-ce que l'herméneutisme a commencé aujourd'hui? C'est non. Depuis très longtemps, on a essayé de décoder les textes religieux, les textes philosophiques.
Mais Aboubacar, est-ce que les Iraniens prient en perse? Ils prient en arabe, non? Dans la langue du Coran. En arabe, oui. Très bien. Est-ce que les Pakistanais prient dans leur langue? Pourtant, ils sont très proches de l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que les langues qui ont disparu, les langues qui sont contenues dans le Saint-Coran, bien sûr, ces langues-là sont utilisées pour effectuer des prières en dehors de ce qui est contenu dans la prescription coranique? Je pense que c'est non. Donc, si du point de vue de la laïcité de la République, M. Namfo Diaby est libre de pratiquer la religion qu'il souhaite pratiquer, il lui est quand même difficile, voire même impossible de s'adresser au nom de l'islam en matière de prière. Je ne parle pas en matière d'invocation. Mm-hmm. Parce qu'en matière d'invocation, nous invoquons tous Allah dans nos langues. Bien entendu. Hein? Les Fulani le font, les Mandeng le font, les Soussous le font. Tout le monde fait ça. Hein? Il y a même des traductions totalement dans nos langues. Bien entendu. Kierno Samba Mombeya a excellé dans la tradition du Coran dans la langue poulard. Ouais. Et c'est pour cela son livre Ougir de Malal a eu vraiment de du l'ampleur. Ouais. C'était du succès. C'est comme si c'est Platon qui vous parlait. Ouais. Alors, je pense que M. Namfo Diaby ne mérite pas d'être attaqué. Mais Aboubacar, les États-Unis, pays de référence de la liberté, les Mormons ont des problèmes. Parce qu'on leur a appliqué la loi dans une certaine mesure. Ils ont des problèmes. Ils ont des lieux de prière qui sont totalement inaccessibles. Ouais. Je pense que la loi devrait s'appliquer. N'empêche qu'ils pratiquent la polygamie et on ne leur interdit pas. Oui, mais les Mormons ont eu des problèmes avec cette histoire de filles mineures. Hein. Ça, ça pose un très sérieux problème là-bas. Yeah. Et la loi américaine s'est appliquée. Pourtant, c'est l'Ancien Testament. Oui. Ils se fondent sur l'Ancien Testament qui dit de se multiplier. Voilà. À l'infini. Donc, moi, je pense que, je pense que Namfo Ismaël Diaby, pour finir, il a tout à fait raison de faire sa culture scientifique dans la langue qu'il souhaite. Mais vous ne pouvez pas venir à la mosquée Faisal de Conakry et dire que vous allez faire la Sainte Trinité. Voilà. Il a une nouvelle religion. Allez-y. Hein. Ouais. Allez-y, Yaraï. Votre avis là-dessus. Mais la question. Oui, que il a une nouvelle religion. Bien entendu. Namfo n'est plus musulman. Sa religion, c'est le Yerolumbaya. Bien entendu. Donc, ça, c'était l'argument juridique que c'était pour le procès. C'est juste fait pour la consommation du juge. Bien. Allez-y. Pas plus. Il reste à savoir si, toutefois, quand il priait du côté de Sigiri, il a prié dans une mosquée. Si toutefois. Non, il n'a pas accès aux mosquées. Je pose la question. Je pose la question parce que s'il n'a pas prié dans une mosquée et qu'il a prié avec. À l'air libre, comme à l'air libre, je pense qu'il ou dans une concession. Pas, je pense qu'il ne mérite pas d'être attaqué. Nous sommes dans un état de droit. Et cette façon de se rendre. Non, Diaraï, c'est un détail important. Bien sûr. Oui, mais il y a trouble à l'ordre public. Oui, si c'est une prière publique. Dès lors que tu non, mais il fait. Mais il fait prier. Avec tes adeptes. C'est déjà. Il fait prier. Il fait prier, ses adeptes. On peut pressentir que ceux qui l'ont attaqué avaient déjà une idée arrêtée. Ouais. Puisqu'ils c'était une attaque préméditée. C'était prémédité. Ils étaient en amont très hostiles par rapport à sa pratique de la religion. Et à sa présence. Ouais. Et sa présence du côté de Sigiri. C'est un faux prophète, c'est un agitateur. Oh là là, Talibé, quand même. S'il te plaît. Allez-y. Je pense qu'il ne méritait pas d'être attaqué. On est dans un état de droit. S'il a failli à la règle, il revient à la justice de le poursuivre et de le juger encore une fois par rapport à ça. Il y a un précédent, il paraît qu'il y a un peuple aussi du côté du Sénégal qui faisait prier en poulard. J'ai vu ça. Bien. Même si Akumba dit que c'est un prétexte pour lui de dire qu'il n'est plus dans la religion musulmane, mais s'il a été devant le barreau et qu'il a affirmé clairement qu'il n'est pas musulman, il a donné le nom de sa religion, je pense qu'on devrait le laisser tranquille puisque la diversité, notre État, il est laïque et cet État laïque-là respecte cette diversité, il faut le laisser libre. Bien. Parce que nous avons vu quand même à Sigiri. Donc vous soupçonnez une attaque préméditée. Bien sûr, mais à Sigiri, il faut signaler cela.
à Siguiri, la population a tendance à se rendre justice. Ça, il faut quand même se questionner là-dessus. Ouais. Le ministre Garde des Sceaux a évoqué le sujet du côté de Zérékoré. Je pense que Siguiri ne déroge pas à la règle. Il faut justement poser le débat et savoir comment travailler sur la mentalité des gens. C'est très important. C'est très important. Pour qu'ils puissent changer cette façon de faire. Bien. Et Oumar Soul Kaba, notre confrère, qui est du côté de Paris, qui précise que la religion de, pratiquée, en tout cas prônée par Nafo Ismaël Diaby, s'appelle plutôt Yere Kolobaya. Voilà. Allez-y, Mamadou Houry, pour en terminer. Bon, pratiquement, ils ont tout dit, mais je suis d'accord avec Mombo que l'islam, comme certaines religions, est une religion dogmatique. C'est un peu ce qu'on appelle en philosophie du magistère d'Ixit. Vous le laissez tel que vous l'avez trouvé, vous l'assimilez tel qu'on vous l'a enseigné, sans changer aucune virgule là-dedans. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous sortez là-dedans. C'est ça le dogmatisme. Donc ce n'est pas une religion libérale ou libéraliste, si vous voulez. Alors si Nafo a une autre conception de l'adoration, puisqu'il y a une sorte de dénominateur commun peut-être entre lui et l'islam en ce moment, c'est qu'il y a un dieu supérieur qui s'appelle Allah, mais la façon de l'adorer diffère. En ce moment, il sort de l'islam, qui a ses méthodes, qui a ses principes, qui a sa façon de prier. Et je crois que c'est en cela qu'il dit que lui, sa religion s'appelle Yere Kolobaya. Et donc, qui littéralement, peut-être, je peux entendre par là l'auto-éducation, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et au regard donc des règles et principes qui régissent notre pays, la République, qui est donc, comme elle a dit tout à l'heure, laïque, et donc ne pourrait pas interdire à ce monsieur d'avoir une liberté de religion. Faut-il qu'il fasse sa religion différemment de l'islam? Et donc qu'il ne puisse pas peut-être venir dans les mosquées perturber les prières des gens? Et si ce n'était pas le cas de ce côté-là où il a été agressé, je pense qu'à Orasoba, les autorités devraient mettre main sur ceux qui l'ont agressé et leur faire appliquer, si vous voulez, la loi. Surtout qu'il a demandé l'autorisation auprès des autorités locales pour être là, autorisation qu'il a bien eue. Et alors pourquoi d'autres gens vont s'attaquer à lui parce qu'il était en train de prier quelque part à Orasoba? Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre ça derrière soi. Si la Ligue islamique a déjà considéré que ce n'est plus un musulman, que lui ou qu'elle, en tant qu'entité islamique, n'a plus le nom de Nafo dans son répertoire d'imam, de prêcheur, alors vous ne le considérez plus. C'est comme un papa qui renie son enfant, il n'est plus de la famille, mais ça ne veut pas dire que vous allez le poursuivre partout, dans tout ce qu'il fait. C'est pour cela que je dis que les affaires religieuses doivent trancher totalement et définitivement sous le cas d'Nafo. Avec ta permission, les affaires religieuses ne peuvent pas décider que tu n'es plus musulman. Non, j'ai dit. Dieu dit que c'est lui seul qui connaît le vrai croyant. Non. Ici, sur terre, au regard de la religion monothéiste, qui est le représentant de Dieu sur terre. Même là aussi, Dieu dit, Dieu est Ar-Rahman Ar-Rahim. Attention. Ce qu'il connaît là, ce qu'il y a dedans, la personne d'autre ne le maîtrise. Là aussi, on a le débat contradictoire. Voilà. Oui. C'est un débat entre doctrine. Et l'islam, c'est une religion aussi de contradiction. Les chiites, il y a les chiites, il y a les... Voilà. Allez, donc, Yere Kolobaya peut bien avoir de la place. Merci, Mamadou Houry. Vous allez prolonger le débat chez vous sur le cas Nafo Diaby, Nafo Ismaël Diaby, donc, qui a été attaqué, il faut le rappeler, la semaine dernière, en tout cas en fin de semaine dernière, dans une localité de Orasoba, c'est dans la préfecture de Siguiri. Il est temps que le secrétariat aux affaires religieuses tranche définitivement sur le cas de ce prédicateur assez sulfureux. On va poursuivre notre mirador dans un instant. On parle de redevance annuelle avec la RPT.